Compte rendu de la 75e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 4 novembre 2022 par visioconférence la 75e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres. 4. Examen de dossier. 5. Enfin, examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'engagement pour l'émergence de champions congolais. Le président de la République a rappelé aux membres du conseil que lors de la clôture de la 8e édition du forum Makutano à Mbujimayi, il est revenu sur sa vision relative à l'émergence de champions congolais dans l'entrepreneuriat privé. Il a salué dans cet esprit les différentes initiatives prises dans le sens de la création d'opportunités du partage d'expériences, notamment celles réalisées conjointement avec le président honoraire du Nigeria, Olusegun Obasanjo, dans le rapprochement opéré entre les entrepreneurs privés de la République fédérale du Nigeria et ceux de la République démocratique du Congo. Ces rapprochements ont l'avantage de comprendre le modèle Obasanjo centré autour d'une collaboration optimale entre les secteurs publics et privés qui a permis l'émergence des capitaines d'industrie nigérians sur plusieurs secteurs. Le président de la République a plaidé pour un profond changement de mentalité, plus encore, une révolution culturelle pour créer un écosystème entrepreneurial qui se caractérise par des relations constructives entre les secteurs privés d'une part et l'État à travers toutes ses administrations d'autre part. À cet effet, il a invité tous les membres du gouvernement, sous la supervision du Premier ministre, de veiller à la mise en œuvre de cette révolution culturelle dans les administrations publiques sous leur tutelle respective qui interagissent avec les entreprises privées. Il a en outre chargé le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, en collaboration avec le ministre d'État, ministre du Plan à travers le secrétariat national pour le renforcement de capacités SENAREC, de mettre en place des modules de formation pour accompagner cette appropriation de l'écosystème entrepreneurial dans les chefs de nos administrations publiques et régies financières. 2. De la deuxième conférence des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive à Dakar. En sa qualité de champion africain de la masculinité positive et dans le cadre des préparatifs de la deuxième conférence sur la masculinité positive, le président de la République a rappelé que l'Union africaine considère la violence à l'égard des femmes et des filles comme l'une des formes les plus flagrantes des discriminations et un obstacle majeur à la réalisation de droits humains fondamentaux des femmes. C'est pour transformer les inégalités structurelles et institutionnelles qui conduisent au fait des violences à l'égard des femmes et des filles qu'il avait été sollicité l'implication des leaders masculins, notamment des chefs d'État, afin d'engager d'autres hommes et garçons dans les efforts visant à y mettre fin. C'est dans la suite de la conférence de Kinshasa, qui avait été sanctionnée par la déclaration et l'appel en action de Kinshasa, que va se tenir cette année, suivant ses recommandations, une évaluation annuelle de la mise en œuvre des engagements pris. À cet effet, et pour poursuivre le travail amorcé à Kinshasa, l'Union africaine organisera la deuxième conférence de chefs d'État sur la masculinité positive à Dakar du 10 au 12 novembre 2022 en collaboration avec la République démocratique du Congo. Vu l'importance que revêt notre participation à cet événement, le président de la République a recommandé à toutes les parties impliquées, notamment les ministères en charge des affaires étrangères, celui du genre famille et enfants, ainsi qu'à son cabinet, de mettre en place tous les éléments qui permettra à la République démocratique du Congo d'y participer le plus activement possible. 3. De la responsabilisation de bourgmestres dans l'assainissement de eaux de pluie dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République est revenu sur les conséquences de pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville-province de Kinshasa.
Les inondations des artères et de certains quartiers dans les différentes communes de la capitale démontrent à chaque fois l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux de pluie. Outre cette réalité, ces inondations viennent également rappeler la nécessité de sévir face aux constructions anarchiques qui constituent une autre dimension de ces problèmes. Face à cette situation, il est attendu du gouvernement de la ville, du gouverneur de la ville de Kinshasa, du courage dans l'application stricte et rigoureuse des plans de la ville, même là où toute résistance se présenterait. Dans les mêmes esprits, il est attendu de bourgmestres une implication efficiente dans les travaux d'assainissement de leurs communes respectives. Le président de la République a chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'encadrer le bourgmestre des 24 communes dans la mise en œuvre et l'utilisation efficiente des brigades pérennes d'entretien et d'assainissement en sus des travaux ponctuels effectués par l'Office de voirie et drainage. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur le mandat de la République démocratique du Congo à la tête des l'OADA dès janvier 2023. Pour terminer sa communication, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement qu'à l'occasion du 10e anniversaire de l'adhésion de notre pays à l'OADA, les barreaux de Kinshasa-Gombe et la Commission nationale OADA ont organisé sous son patronage un colloque international. Cette célébration augurait le rôle que la République démocratique du Congo va jouer dans les prochains jours, à savoir la présidence de la conférence des chefs d'État et des gouvernements, la plus haute institution de l'OADA dont elle recevra les flambeaux de la République du Niger dès janvier 2023. À cet effet, le président de la République a tenu à ce que notre pays assume pleinement sa mandature et qu'il contribue efficacement par son implication à relever les défis de cette organisation. Il a invité la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre des Finances, tous deux membres du Conseil de ministres de l'OADA, à une étroite collaboration afin de soutenir le programme d'action de cette mandature. À la suite du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement s'est focalisé sur trois points principaux. Dans un premier temps, il a, au nom du gouvernement, réitéré le soutien de ces derniers au président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, au lendemain de son important message à la nation, dans ses inlassables efforts de rétablir la paix et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il a également renouvelé l'engagement du gouvernement de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité toutes les ressources nécessaires en vue de leur accomplissement dans leur noble mission. C'est le moment également de saluer la bravoure et la détermination de nos soldats actuellement engagés au front pour la défense de la patrie et la sécurisation de nos populations. À tous les compatriotes, aux familles victimes des exactions de cette barbarie, le Premier ministre a rassuré du soutien et de la compassion du gouvernement de la République. C'est pour cette raison qu'il a dépêché une mission humanitaire dans cette partie du territoire national pour exprimer cette solidarité nationale. Il a aussi souligné le fait que dans le projet de loi des finances de l'exercice 2023, présenté et défendu devant la représentation nationale, le gouvernement a alloué 10,4% du budget global au secteur de la défense et de la sécurité, ce qui représente un accroissement de plus de 300% comparé au budget précédent. Dans un deuxième temps, le Premier ministre a justement, au sujet de ce projet de loi des finances pour l'exercice 2023, salué la volonté politique du chef de l'État, volonté qui a motivé le gouvernement à réaliser le bond historique qui porte aujourd'hui notre budget à 14,6 milliards de dollars américains. Ces projets du budget confirment effectivement les prédictions du chef de l'État et démontrent clairement un accroissement dans la prise en compte de plusieurs préoccupations de nos populations, notamment dans les secteurs sociaux.
Loin de sombrer dans l'autosatisfaction, le Premier ministre a relevé que ses prévisions budgétaires, historiquement parlant, marquent une réelle dynamique évolutive de notre pays, dynamique que notre gouvernement entend maintenir, notamment par le renforcement de ses instruments de gestion et la maîtrise des finances publiques. Enfin, le Premier ministre a annoncé la participation de la République démocratique du Congo, pays solution, aux travaux de la COP27 qui débute ce 6 novembre 2022 à Sharm el-Cheikh, en Égypte, dans la suite de la pré-COP et autres travaux préparatoires tenus à Kinshasa. Durant ces travaux, notre pays compte défendre ses positions, notamment pour réclamer ce qui est dû par les pays pollueurs. Le deuxième chapitre du Conseil des ministres est de ce jour à porter sur le point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a informé le Conseil de l'État du territoire, qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé par la mobilisation de mouvements citoyens à travers le territoire national contre l'occupation du mouvement rebelle M23 d'une partie du territoire de Rutshuru. L'assentiment de la majorité de l'opinion nationale au sujet de l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. La tenue le 27 octobre 2022 des activités de la 8e édition du Forum du réseau d'affaires Makutano à Kinshasa et à Mbujimayi. Enfin, l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État, annoncée à l'issue du dernier Conseil supérieur de la Défense. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, a aussi succinctement brossé la situation sécuritaire dans plusieurs provinces du pays. Il a mis en exergue l'activisme des groupes armés des assaillants, notamment dans les provinces du Haut-Katanga, de l'Ituri, du Maïndombe et du Nord-Kivu. Il a également, pour conclure, fait mention de quelques cas de sinistres déplorés à Kindu dans le Maniema et à Kamina dans le Haut-Lomami. Il a terminé par faire état de la situation aux frontières qui reste marquée par les retours de plusieurs compatriotes de l'Angola et de la Zambie. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été complété par la vice-ministre, ministre de la Défense, au nom de son titulaire en mission dans la zone. Elle a informé le Conseil de la situation opérationnelle consécutive à la récente offensive du M23 RDF, avec l'appui de l'armée rwandaise dans cette partie du pays. Il a aussi informé le Conseil de la remise aux forces armées de la République démocratique du Congo par la MONUSCO à Kiwanja d'un élément de l'armée rwandaise et enfoui le rang du 401e bataillon basé à Kingi dans le Rwanda le 16 octobre dernier. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, pour sa part, a présenté au Conseil la situation sanitaire générale du pays. Au sujet de l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui de biens et services. Invité spécialement à ces conseils de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a présenté au Conseil la conjoncture économique du pays. En effet, la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo a été marquée par la poursuite du ralentissement du rythme hebdomadaire de prise antérieure amorcé depuis le mois de septembre dernier, le maintien de la stabilité sur le marché de change, reflétant ainsi la poursuite de la bonne coordination des actions au niveau des politiques monétaires et budgétaires. La croissance demeure projetée à 7,1% et elle tient principalement de la bonne performance des branches extraction, transport et télécommunications d'une part, et du bon comportement de la dépense publique tant des consommations que d'investissements d'autre part. Le taux d'inflation hebdomadaire a été de 0,19% contre 0,3% une semaine plus tôt. Au 28 octobre 2022, l'inflation cumulée s'est située à 10,6% contre une projection annuelle de 11%. Les marchés d'échange a été caractérisé par une quasi-stabilité dans ces deux compartiment.
En effet, le franc congolais s'est légèrement déprécié de 0,01% par rapport à la semaine dernière, s'échangeant à 2012,75 francs congolais les dollars américains. Au marché parallèle, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,13%, portant le cours vendeur à 2094 francs congolais. Toutefois, l'économie congolaise reste exposée aux facteurs de risques externes tels que les effets de la guerre russo-ukrainienne et la persistance de poussées inflationnistes dans la zone euro, et les risques internes tiennent notamment de l'augmentation potentielle de la demande intérieure en relation avec les festivités de fin d'année. Pour y faire face, la gouverneure de la Banque centrale a recommandé le maintien du pacte de stabilité entre le gouvernement et son institution, les suivis rapprochés des facteurs de surliquidité par la Banque centrale du Congo, la poursuite de la surveillance des facteurs de liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Rapport intérimaire sur le processus de mise à la retraite et quelques mesures conservatoires relatives à la maîtrise des effectifs et la masse salariale des agents de carrière et des services publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a dressé à l'attention du Conseil l'état des lieux de la première vague de mise à la retraite et les perspectives de la deuxième vague. Les mesures d'encadrement en faveur des agents retraités, ainsi que quelques mesures conservatoires relatives à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale des agents de carrière service public de l'État. En exécution des instructions du président de la République chef de l'État et des orientations du Conseil de ministres, il a indiqué que conformément au plan quinquennal, un effectif d'au moins 10 000 agents est programmé pour un départ en deux vagues avant fin 2022. La première vague de retraite a concerné 4 406 agents dont les actes juridiques ont été signés et notifiés. Une deuxième vague concerne un effectif de 6 000 agents éligibles dont les travaux de fiabilisation des listes et des préparations des actes sont en cours de finalisation au niveau du ministère de la fonction publique. Le vice-premier ministre a informé le Conseil sur le fait que le processus de paiement des indemnités de fin de carrière aux retraités de la première vague débute dès la semaine prochaine au niveau de banques commerciales payeuses qui ont été approvisionnées par la Banque centrale pour tous les 4406 agents concernés. À cet effet, plusieurs mesures d'encadrement sont en cours afin notamment d'inciter ces nouveaux retraités à l'observance de la culture bancaire en s'abstenant entre autres à des retraits massifs de fonds dont ils sont bénéficiaires. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a fait part au Conseil de quelques mesures conservatoires qui seront prises incessamment en vue de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale des agents des services publics de l'État en collaboration avec les ministères du budget et des finances et sous la coordination étroite du premier ministre chef du gouvernement. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au sixième point sur ces chapitres de points d'information, rapport sur l'état d'avancement de projets d'entretien et des constructions dans la voirie de la ville de Kinshasa. Prenant la parole, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a présenté le rapport relatif à l'avancement de travaux de voirie dans la ville-province de Kinshasa. Il a aussi annoncé la fin des travaux du lot 1 du projet Kinshasa Zéro Trou qui a été couronné par l'ouverture de la route située à l'entrée Matete communément appelée Sous-Région où un pont a été reconstruit sur la rivière Matete reliant les communes de Lemba et Matete à la grande satisfaction de la population. Le Conseil a pris acte de ce rapport. À son tour, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, a présenté au Conseil la note d'information sur la relance de la SOCIR SA à la suite de l'instruction donnée par le président de la République au cours de la réunion du Conseil de ministres du 8 juillet 2022. La ministre d'État a signalé que la réflexion sur cette relance a bénéficié de l'apport de plusieurs ministères concernés qui ont fait partie de la commission.
Au terme des travaux de la dite commission, certaines actions à mener ont été préparées. Il s'agit notamment de l'élaboration de termes de référence de la mission, de l'organisation d'une mission à Mwanda par une équipe restreinte, de la constitution de deux sous-commissions pour étudier les deux thématiques chargées de traiter respectivement des questions suivantes. La relance des activités du raffinage à la Saucyre, la production des émulsions des butimes, la production des butimes à partir de sable bitumé de Mavuma, moyennant des investissements en équipements appropriés et l'élaboration d'un chronogramme. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Résultat de validation du rapport de la République démocratique du Congo sur la transparence dans la gestion des ressources naturelles congolaises par les instances internationales des litiers. Le ministre d'État, ministre du Plan, a fait rapport au Conseil des résultats de validation du rapport de la République démocratique du Congo sur la transparence dans la gestion des ressources naturelles congolaises par les instances internationales de l'initiative pour la transparence des industries extractives. En effet, l'ITIE est une institution internationale qui a établi des critères ou standards internationaux d'appréciation de la transparence dans la gestion des industries d'exploitation de ressources naturelles pour s'assurer que les retombées de l'exploitation des dites ressources profitent aux populations. Notre pays, la République démocratique du Congo, y a adhéré depuis 2005. C'est à cette fin, comme dans les autres pays membres et suivant les exigences de l'Institut international précité, que le gouvernement de la République démocratique du Congo a créé un service public dédié appelé Comité national des litiers République démocratique du Congo. Il est demandé à chaque État membre à travers son service interne d'établir un rapport sur l'état de la transparence, sur base des standards précis, à savoir la diffusion ouverte et accessible des informations notamment sur la fiscalité, les actifs, les actions, la répartition des revenus, les débats libres et élargis sur des questions de ressources naturelles, l'engagement du gouvernement à améliorer la gouvernance dans ces secteurs. Les ministres d'État, ministre du Plan, a signalé qu'au terme de plusieurs efforts, notre pays a été coté favorablement et est redevenu fréquentable et récompensant ainsi le travail amorcé depuis juin 2021 à la demande du président de la République. L'avantage d'une bonne cotation au niveau international indique que le pays concerné lutte contre la corruption, améliore les climats des affaires, redistribue les revenus aux populations pour l'amélioration de ses conditions de vie. Autrement dit, le pays est attractif et fréquentable. Par conséquent, les investisseurs dans les secteurs extractifs peuvent facilement obtenir des financements dans les milieux boursiers pour y investir davantage, ce qui constitue un gain précieux pour notre économie. C'est ainsi que les instances internationales des litiers ont évalué lors de réunions du 13 octobre 2022 toutes les mesures correctives en attribuant une note satisfaisante en la République démocratique du Congo de 85,5 de points sur 100 qui traduit un niveau élevé de transparence. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Neuvième point dans ce chapitre sur le point d'information. Rapport relatif au comité chargé de la stabilité financière sur le dossier BIAC SA en liquidation. Le ministre des Finances a fait l'économie du rapport relatif aux deux réunions du Comité des stabilités financières en République démocratique du Congo, tenues respectivement le 25 octobre et le 1er novembre 2022, pour passer en revue la situation de la liquidation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC. Partant de l'état de la question, il a été noté que la précarité de la situation financière de la BIAC SA ne pouvait qu'appeler à une prise en charge urgente par la Banque centrale du Congo en sa qualité d'autorité des régulations des secteurs bancaires. Conformément à la loi bancaire en vigueur, le Comité des stabilités financières a soutenu que la décision du retrait d'agrément de la BIAC SA était requise pour protéger les épargnants et éviter une crise systémique dans les secteurs financiers. Le ministre des Finances a précisé
que suite à l'enlisement du processus de liquidation et la multiplicité des procès et recours judiciaires, l'état de la BIAC SA apparaît à ces jours méconnu de toutes les parties. D'où la recommandation du comité de stabilité financière de solliciter un état des lieux de la BIAC SA en liquidation par l'inspection générale de finances et d'en présenter le rapport en déant 30 jours. En attendant la présentation de ce rapport, qui inclura notamment la situation des créanciers et des tiers de propriété détenus par la banque en liquidation, le comité de stabilité financière a recommandé à la Banque centrale du Congo et aux actionnaires de la BIAC SA de considérer l'option de sursoir à toute activité au sein de cette banque au risque d'entraver la mission de l'inspection générale de finances. Le ministre des Finances a conclu son propos en rappelant que le comité de stabilité financière a notamment pour mission de favoriser la concertation entre les institutions et organes de l'État en vue de préserver la stabilité financière et ce, sans interférer d'aucune manière sur les décisions de justice. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Rapport initial de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes vulnérables. La ministre est déléguée auprès du ministre des Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a présenté au Conseil les rapports initiaux de la mise en œuvre par la République démocratique du Congo de la Convention relative aux droits de personnes vulnérables. Elle a souligné que l'élaboration du rapport initial sur la mise en œuvre de cette convention marque l'engagement indéfectible du gouvernement sous le leadership du président de la République chef de l'État et la conduite du Premier ministre chef du gouvernement de surmonter les défis des marginalisations d'une partie importante de notre population ainsi que la volonté d'éradiquer les inégalités fondées sur le handicap. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 74e réunion tenue le vendredi 21 octobre 2022. Quatrième point, examen et adoption des dossiers. Un dossier. Situation des finances publiques. Le ministre des Finances a informé les conseils des performances enregistrées dans la gestion des finances publiques. En effet, les recettes mobilisées au mois d'octobre 2022 ont été de l'ordre de 1069,9 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1107,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 97%. Les régies financières poursuivent leurs efforts de mobilisation des recettes dans la perspective de leurs assignations annuelles. Les recettes cumulées du 1er au 31 octobre 2022 ont affiché 15 879,6 milliards de CDF, ce qui représente 130% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à octobre 2022 attendues de 12 258,6 milliards de francs congolais et 107% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a indiqué que l'ensemble de ces recettes représente une augmentation de 65% en comparaison avec les recettes de janvier à octobre 2021 qui étaient de 9 585,9 milliards de francs congolais, affichant un accroissement de 6 129,7 milliards de francs congolais, équivalent à près de 3,145 milliards de dollars. La situation cumulée par les régies financières indique un taux des réalisations par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 137% pour la Direction générale des impôts, 70% pour la Direction générale des douanes et accises et 92% pour la Direction générale des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations des GERAD. En ce qui concerne les dépenses, elles ont été marquées entre autres par des dépenses au titre de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières,
payé ces mois à 42,3 millions de dollars, représentant au total depuis le début de l'année une somme de 426,5 millions de dollars américains. Les paiements de 116,3 millions de dollars, comptant pour 2 mois des dotations de la Commission électorale nationale indépendante, ce qui porte la somme totale versée à 414 millions 600 000 dollars américains. Les dépenses sécuritaires impérieuses ont aussi occupé une part importante dans les dépenses de ces mois. La trésorerie de l'État présente un solde déficitaire mensuel provisoire de 1 044 milliards de francs congolais à fin octobre 2022, qui a été entièrement comblé par les marges de trésorerie ainsi que le bon du trésor. En cumul annuel, il se dégage donc un excédent des 134 milliards de francs congolais. Abordant un autre chapitre, le ministre des Finances a informé le Conseil des conclusions de la mission du département Afrique du Fonds monétaire international qui s'est déroulée à Kinshasa du 18 octobre au 2 novembre 2022 dans le cadre de l'évaluation de la troisième revue du programme économique du gouvernement soutenue par la facilité élargie de crédit. Ainsi, le FMI a salué la résilience de l'économie congolaise dans un contexte difficile, tant au niveau international que national, et certifié les performances macroéconomiques réalisées par le gouvernement, particulièrement dans les domaines de la mobilisation des recettes domestiques, avec une super performance de 3,7% du PIB. Il a noté que ces recettes supplémentaires ont plus servi aux dépenses sécuritaires, aux subventions des prix de carburant ainsi qu'au renforcement des investissements. Les FMI a également alerté sur les perspectives moins bonnes en 2023 en raison de la baisse projetée de produits minerais exportés par la République démocratique du Congo, moins 15%, de la hausse des prix de produits énergétiques et alimentaires et de l'escalade du conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce, dans un contexte mondial incertain à cause de la fragilité de notre économie à de tels chocs. Des recommandations ont été formulées et les échanges se poursuivent en vue de parvenir à un accord au niveau des services pour la conclusion de la troisième revue. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil. Dernier point inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour, portant sur l'examen et l'adoption des deux projets de texte. 1. Projet de décret modifiant les décrets numéro 15/038 du 14 décembre 2015 portant fixation des rémunérations et autres avantages en faveur des administrateurs civils. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil le projet de décret modifiant les décrets numéro 15/038 du 14 décembre 2015 portant fixation des rémunérations et autres avantages en faveur des administrateurs civils. Il a indiqué au Conseil qu'à ces jours, notre administration dispose de 644 administrateurs civils, essentiellement des énarques, pour lesquels le gouvernement avait mis à disposition des traitements initiaux et des primes en 2015 et qui, du fait de la dépréciation du taux d'échange durant les 5 dernières années, a fait que leur pouvoir d'achat puisse fortement s'amenuiser. Le dit projet de décret a donc pour but la régularisation de la situation pécuniaire de ces jeunes recrutés dans le cadre du programme de réforme et du rajeunissement compétitif et qualitatif de l'administration publique. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. 2. Projet de loi portant prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 novembre 2022. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 11h09, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h23. Je vous remercie.